Eh ben voilà, on part de la gare centrale, il est midi 21, le train n'a que 17 minutes de retard. Il s'arrêtera à Leuze, puis on ira en bus à Tournai, et puis on partira, ben, j'essayerai, en stop, jusque Anserolles. Ce soir, à partir de 19h, il y a la soirée cabaret à la ferme du Harby. Des gens qui chantent, des gens qui font de la musique. À partir de 19h, il y a une scène ouverte. Il y en a déjà eu une hier, eh bien, il y en aura encore une aujourd'hui. Et vous êtes le bienvenu. En attendant, le train quitte la gare centrale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de ce train ici à destination de Leuze. Ce train fera arrêt à Bruxelles-Midi, Anne, Enghien, Silly, Hatte et Leuze. Enfin, arrêt, Bruxelles-Midi. Dans un air, quand on va terminer ce ici train de Stavine Leuze. The train stopped in Brussels, Halle, Edingen, Obzulik, Hatte et Leuze. Prochain arrêt, Bruxelles-Midi, Gassel-Landart, Brussels-Zeit. Et oui, nouveau voyage, nouveau bateau. C'est un bateau, le train. Et je ne sais toujours pas ce que je chanterai ce soir. Je crois, parce que c'est pas la première fois que je me rends à Anserolles. Hein. C'est trois morceaux pour les gens qui chantent. Hein. J'hésite parce que je sais qu'il y a un piano et ce serait peut-être opportun d'utiliser le piano. Maintenant, comment ordonner trois chansons? Et puis parfois, je me dis, je commence par une telle, puis par une telle, puis par une telle, et puis je change d'avis. Autrement dit, mieux vaut que je me casse pas trop la tête. Il sera encore important d'aviser au moment même. J'imagine que Pauline, Maude et les sœurs et Blaise du toit de la ferme du Harby à Anserolles seront aimables, auront leur gentillesse habituelle. Et que le soleil sera encore de la partie. Et si je vous dis que je ne sais pas encore comment je vais rentrer? Quelqu'un me posait la question encore hier. Il se fait que mon passage est vers les 22h et quelques. Et parfois je m'arrange quand j'y vais parce qu'il y a des gens qui rentrent à Bruxelles, mais au pire, je reprendrai le premier train Tournai demain matin vers 5-6h. Et je me donnerai le moyen de marcher le soir entre Anserolles et Tournai. Ça me fera une dizaine de kilomètres. Je l'ai déjà fait. À moins que, comme dirait ma chère et tendre, Hugues fait confiance à la vie. Eh bien maintenant, nous nous trouvons à Tournai. Il y avait des travaux entre Leuze et Tournai, et une navette a effectué le trajet comme il se doit. Bravo et merci. Et d'ailleurs, en principe, si je ne trouve pas à Anserolles, où je vais chanter ce soir, la possibilité de rentrer à Bruxelles en voiture, c'est jamais garanti ces trucs-là. Eh bien, dans un cas pareil, je sais bien que... Salut Antoine. Eh bien, je sais bien qu'à ce moment-là, je prendrai mon courage à deux mains,
J'irai sans doute à pied jusque Tournai. Je sais qu'il y a un changement horaire. Et il y a un premier train à 5h44. Enfin, déjà une navette qui est prête à assurer. Mais j'en profite, Antoine, je te l'ai déjà dit hier, mais ton concert hier était superbe. En direct de Tournai, on se relaie à une dizaine de kilomètres. On va essayer de faire du stop. Et la vie continue. Il ne risque pas, mon cher Antoine, la moindre mise à mort, mais de très belles mises à vie. Regarde, le bel arbre, les belles plantes. Bonjour, madame. Un pont. Et c'est parti. Reconstituons notre Far West. Youpi! Mon cher Antoine, hier, avant de me trouver là où j'ai pu t'écouter, je lisais de Gilbert Cesbron un livre intitulé « Notre prison est un royaume ». Et déjà, j'avais pu m'envoler. Derrière Tournai, il y a une commune qui s'appelle Celles. C'est pas la seule, il y en a aussi une dans la région de Dinan. À bientôt. Il serait peut-être temps d'enlever l'écharpe. J'ai dépassé Tournai. Je vais arriver à Celles. On se rapproche d'Anserol. Fait chaud. Mais oui, l'épopée dure toujours. Mais Anserol n'est plus très loin, il est 17h. Ben, ça fait peut-être 2h30 que je marche, mais j'aurais pu faire du stop comme les autres années. Mais bon, il y a encore 2h de bonus, vu que la soirée démarre à 19h. Alors pourquoi ne pas prendre son temps? Je sais aussi par expérience qu'arriver à l'avance quelque part où il faut chanter et d'être immobile par la force des choses, même si on a tout fait pour ne pas arriver en dernière minute, ça peut être parfois vachement cafardeux aussi, quand on s'arrête. Alors on gère aussi ces choses-là. Nous sommes donc dans le Tournaisis. Hein. Tournai derrière moi doit être à 11-12 km. Et également à 12 km face à moi, mais je n'irai pas jusque-là, il y a la ville flamande de René. Enfin, en flamand, c'est Rons. Et si ma mémoire est bonne, après cette montée, pourtant on est dans un pays apparemment, une région apparemment plate, il n'est pas impossible qu'après cette montée se trouve la descente et une espèce de rue à gauche qui nous mènera tout droit vers la ferme du Harbi où a lieu ce soir le cabaret qui démarre à 19h et il y a la scène ouverte où je me suis inscrit. Thank you.
Il y a longtemps que j'avais quand même plus marché autant en solitaire. Il y a des périodes où je me disais ça va, c'était pour quand j'avais 20 ans. Et maintenant que je vais en avoir 56, bien sûr, il y a des repères que j'ai un peu variés dans ma vie de chanteur. Et pourtant, ce que je suis en train de refaire maintenant, qui me remet il y a 25 ans, eh bien, je suis peut-être dans un moment où ça me manque. Alors, c'est vrai qu'avant de venir chanter, d'aller chanter en Sroll, certains m'ont demandé, mais enfin, est-ce que tu sais comment tu vas rentrer à Bruxelles? Eh bien, non, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui rentrera là-bas, peut-être pas, mais je m'en fiche. Je me prépare, non pas au pire, mais à la situation, j'irai la moins confortable, que je sois obligé de reprendre la route en sens inverse. Mais tout compte fait, je l'ai déjà fait. Et même si ça se fait, pourquoi devrais-je en avoir peur? J'aborde les choses comme ça maintenant, c'est comme si j'avais 30 ans de moins. Et oui, dans les chansons que je n'ai pas encore écrites, mais dont les titres sont récurrents, il y en a une qui devrait s'appeler « Les Cowboys des Nationales ». La suite peut-être dans quelques années. Une pointe d'espoir à l'horizon. La 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 la. Tout à l'heure, à Carrefour, ils étaient tout un groupe hein, de motocyclistes. Mais voilà. La 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 la. Mais oui, mais oui. Pas trop de vent, du beau soleil. Que demander de plus? De l'espoir. Je crois bien que la rue du Harbi, où je dois venir, à Anserolle, doit être la route ici à gauche. Enfin, Hugues, risque le coup, tu ne paies rien, et si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Et voici la salle du Harbi où aura lieu le cabaret ce soir.